السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ vous avez perdu le mic. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. علينا أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc nous sommes, inshallah ta'ala, samedi 9 Sha'ban 1438 de l'Hégire, ce qui correspond au 6 mai 2017, illahi ta'ala. Toujours avec les trois fondements, c'est inshallah ta'ala l'avant-dernier cours, illahi ta'ala. Donc c'est le cours numéro 41. On parlait de la résurrection et des preuves que la résurrection existe. On avait cité beaucoup de preuves. On continue pour dire, Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, a dit, pour convaincre ceux qui renient la réalité de la résurrection, différents arguments peuvent être avancés. Premièrement, la résurrection, est un concept. Attendez, je vais voir ça, si ça s'affiche. Là. Deuxièmement. La résurrection a été mentionnée par les prophètes et les messagers dans tous les livres. Premièrement. Donc, la résurrection a été mentionnée par les prophètes et messagers dans tous les livres divins. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, rahimahullah, la résurrection est un concept qui a été mentionné de si nombreuses fois par les prophètes et messagers dans les livres divins et législations célestes qu'il ne laisse aucune place au doute. Les communautés des prophètes ont accepté cette croyance. Comment donc pouvez-vous la renier alors que vous croyez aisément aux propos qui vous sont rapportés d'un philosophe, d'un penseur ou d'un idéologue, sans que ces propos n'atteignent la notoriété du concept de la résurrection, ni dans la manière dont ils sont transmis, ni par leur conformité à la réalité. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala dit, subhanallah al-azim, yani, les messagers qui nous ont précédés, les prophètes, ont déclaré cela, c'est-à-dire ont montré qu'il y avait dans les livres divins cette notion de la résurrection. Donc, il a dit, les communautés des prophètes ont accepté cette croyance. Comment pouvez-vous la renier, alors que vous pouvez croire aisément à ce que vous rapporte ou bien vous raconte yani un philosophe ou un penseur ou un idéologue ou je ne sais. Ensuite, il a dit deuxième des choses, l'éventualité de la résurrection est confortée, il a dit par, voilà, c'est écrit ici, l'éventualité de la résurrection est confortée par la raison de diverses manières. Petit 1, nul ne peut nier le fait d'avoir été créé après n'avoir pas existé. Maintenant, laissons les livres divins de côté, on va parler de la raison. Premièrement, aucune personne ne peut nier le fait d'avoir été créé après n'avoir pas existé. Aucune personne ne peut dire ça fait des milliards d'années que j'existe, ou bien j'ai toujours existé, comme on dit en arabe, fil azal. Ça, aucune personne, yani, doué de raison, ne peut dire cela. Peut-être même un fou. Un fou, peut-être, yani, il pourra, jamais il peut dire cette chose. Mais, Cheikh dit donc, nul ne peut nier le fait d'avoir été créé après n'avoir pas existé et d'être apparu après n'avoir pas été. Donc il a dit, celui qui l'a créé et l'a fait apparaître après n'avoir pas existé est donc bien capable de le faire revivre une autre fois. Donc on dit à la personne, toi, tu reconnais avec moi que yani, par exemple, quel âge as-tu aujourd'hui? Il dit, j'ai 42 ans. On lui dit, si on revient 43 ans en arrière, tu n'existais pas.
ou bien 42 ans en arrière et quelques jours, tu n'existais pas. Bon, tu étais dans le ventre de ta mère. C'est pour ça que j'ai ajouté une année. Il va dire, oui, c'est vrai, je n'existais pas. Donc, tu reconnais que il y a eu une période où tu étais dans le néant. Ensuite, tu as existé. Alors, celui qui t'a fait exister, hein, peut te refaire exister une seconde fois. Comme il a pu le faire la première fois, il peut le faire aussi une deuxième fois. Ensuite, il a cité le verset où Allah Ta'ala a dit, Rome 27, et c'est qui commence la création, puis la refait. Et cela lui est plus facile. Non. Refaire est plus facile que de commencer. Non. Penser du néant. Ensuite, la chose existe. Maintenant, si elle part, c'est plus facile de la refaire. Non. Ensuite, il a cité un autre verset où il a dit aussi, l'Anbiya 104, Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, wa'dan 'alayna inna kunna fa'ilin. Tout comme nous avons commencé en remerciant, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Allahu Akbar. Tout comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. Hein? C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Ici, j'ai déjà fait une remarque une fois, mais allez, je la refais puisque c'est dans l'Aqida et c'est important. Hein? Allah Azzawajal va nous créer nous, c'est-à-dire nous répéter, et non pas yani, créer d'autres corps où là va mettre nos âmes dans d'autres corps. C'est nous-mêmes qui allons revenir comme yani, Allah Ta'ala nous a fait, et nous a créé la première fois. Donc c'est nous-mêmes qui allons revenir avec yani, nos corps et nos âmes, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, ça c'est premier délit de la raison. Deuxième délit. Nul ne peut nier la création, ou bien ne peut nier l'immensité. J'ai oublié le mot immensité. Nul ne peut nier l'immensité de la création des cieux et de la terre en raison de leur grandeur et de la somptuosité de leur agencement. Celui qui les a créés est donc plus à même de créer les êtres humains et de les ressusciter. C'est-à-dire, les cieux et la terre, non, et ce monde-là, c'est beaucoup plus grand et plus immense que l'être humain. Non. Donc s'il y avait quelque chose qui était difficile à créer, c'est pas l'être humain, c'est yani, les grands cieux et yani, vastes, les galaxies, etc. Et pourtant, Allah Ta'ala les a créés. Donc, comment lui est-il difficile de yani, créer l'être humain et de le refaire apparaître une autre fois? Il a cité le verset. Raphaël 57. La khalqu as-samawati wal-ard akbaru min khalqi an-nas, walakin akthar an-nas la ya'lamun. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne réfléchissent pas. La plupart des gens ne méditent pas. S'ils avaient médité sur la création des cieux et de la terre, qui est quelque chose de vraiment grand et d'extraordinaire, alors que pour Allah Ta'ala, c'est facile. Alors qu'en est-il pour les gens qui sont comme des fourmis? Non. Comment est-ce difficile pour Allah subhanahu azzawajal? Ensuite, il a cité un autre verset aussi. الأحقاف 33 أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Toujours pour méditer, hein. Ne voit-il pas qu'Allah, Azzawajal, qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par la création, est capable en vérité de redonner la vie au monde, mais si, il est omnipotent. Donc, c'est toujours ici la comparaison entre la création des cieux et de la terre, qui est zahma difficile, et pourtant la terre pour lui c'est facile. Alors, qu'en est-il pour yani, l'être humain qui n'est rien yani, comparé aux cieux et à la terre? Aussi, un autre verset que va ajouter Yassine 81. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. La suite, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
Celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si! Et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Donc ceux qui croient que Allah Ta'ala ne peut pas yani, nous ressusciter, ou bien, non, en pleine choubouhette, plein de djihad, plein de yani, d'obscurité dans leur cœur, dans leur pensée. Non. Et peut-être comme je l'ai dit plusieurs fois, ils imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, c'est quelqu'un comme nous, mais pour ceux qui croient avant Allah, yani, c'est quelqu'un comme nous, mais vraiment grand. Grand, grand, mais ils disent, yani, il peut se fatiguer. Non, combien qu'il va yani, yukhloq, combien qu'il va yani, 100, 10 000, 1 milliard, 2 milliards, ensuite, il se peut qu'il se fatigue. Ils savent pas que, c'est pour ça Allah ta'ala a dit, quand il veut une chose, qu'est-ce qu'il dit? Il dit seulement soit. Kun, fayakun. C'est pas comme nous, on doit se lever, on doit, yani, pour faire une chose, chercher du matériel, demander de l'aide, acheter des choses, pour fabriquer cette chose. Non. Soit, elle est, place. Il dit kun. Elle est là, présente. Ah. C'est pour ça que, comment dit Allah Ta'ala, wa ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Votre création et votre ressuscitement, le fait d'être ressuscité, n'am, pour moi, Allah Ta'ala dit, c'est comme si c'était une seule personne. Que ce soit une ou des milliards de milliards, pour Allah Ta'ala, c'est la même chose. C'est la même chose pour Allah Ta'ala. Ce n'est pas comme nous. Pour nous, si c'est une chose, ça demande tant de, par exemple, de force, etc., de temps, etc., pour la faire préparer. Mais si c'est une deuxième chose, ça demande le double. Si c'est une troisième chose, ça devient plus difficile. Et comme ça. Allah Ta'ala, non. Yani, pour créer une personne, ou créer des milliards, ou ressusciter une personne, ou des milliards, c'est la même chose. C'est la même chose pour lui. Non. Ensuite, il dit. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmallahu ta'ala, dit. Mazal, on est au troisième mot maintenant. Troisièmement, toujours dans les raisons, les délits de la raison. Toute personne clairvoyante peut se rendre compte que lorsque la pluie tombe sur une terre aride où aucune végétation ne pousse, elle la rend fertile et fait revivre sa flore. Tout le monde est d'accord avec cela. Que, subhanallah, on voit la terre vraiment sèche, tellement sèche que on voit comme ça, comment ça s'appelle là-bas? Elles se fendent, naam, des fissures, plein de fissures, fractures, fissures, naam, plein, naam. Ensuite, elles s'écaillent. Ensuite, quand la pluie tombe, subhanallah, on voit que, alhamdoulilah, elle se raffermit, et maintenant, la végétation commence à pousser, elle devient fertile, subhanallah. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, or, celui qui est en mesure de faire revivre la terre après sa mort. Celui-là est bien capable de refaire revivre les morts, naam, et de les ressusciter. C'est pour cela qu'Allah a dit dans le Coran, il a dit, verset 39, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et parmi ces merveilles, et que tu vois la terre durer sans végétation, puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Donc regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala joint entre ces deux choses, là, entre le fait, yani, qu'il donne la vie à la terre par la pluie, pour te dire, toi aussi, sache que je vais te redonner la vie quand tu vas mourir. Exactement comme la terre, quand elle est morte. Il n'y a pas de pluie, c'est le désert, c'est ceci, c'est cela. Non, il y a des fissures, il n'y a rien. Ensuite, la pluie tombe et la terre renaît de nouveau. Elle donne des fleurs, elle donne du maïs, elle donne du blé, elle donne des roses, des coquelicots, ceci, cela. Allah Ibarak. Allah Ta'ala, après avoir cité la terre, comment qu'elle était morte, il l'a fait revivre. Yani, il fait suivre cela par le verset qui dit, celui qui lui redonne la vie
Et certes, celui qui fera revivre les morts. Alors, yani, réfléchis bien, nam, et yani, médite bien, raison, tu trouves que, yani, alhamdoulillah, la chose, yani, la vérité est claire, bi-idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, parmi les délits de la raison, nam, l'expérience et le vécu témoignent de la vraisemblance de la résurrection. Ainsi, Allah nous a fait part de plusieurs événements où les morts ressuscités. Il en a mentionné cinq dans Sourate Al-Baqarah, hein, dans le récit suivant. Maintenant, il y a une troisième preuve, si l'on peut dire. Allah subhanahu wa ta'ala va citer ici des versets où des gens ou bien des animaux là, il les a fait mourir. Et il les a fait aller revivre de nouveau. Donc maintenant, si maintenant ça s'est déjà passé une fois, pourquoi cela ne va pas se passer encore une autre fois, yani yawm al-qiyamah. Regardons ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Baqarah. Verset 259. Aw kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi al-law ba'da mawtiha. Fa'amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'athah. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté a dit: comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant: combien de temps as-tu demeuré ainsi? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie de la journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âne. Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ces ossements, comment nous les assemblons et le revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit: je sais qu'Allah Azza wa Jal, à la kulishi in qadir, est omnipotent. Donc, là, c'est le premier dali qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait mourir cette personne et l'a fait revivre bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, la sagesse divine impose qu'il y ait, bien sûr, il y a d'autres versets que Cheikh n'a pas cités, comme le verset de Ibrahim, lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Il lui a dit, tu crois pas? Il lui a dit, si, mais juste pour que mon cœur soit apaisé. Il lui a dit, va prendre 4 oiseaux. Vous connaissez le verset, le Mohim. Allah ta'ala a dit, أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ C'est ce verset que je parle. Et il y a aussi d'autres versets où Allah Ta'ala a montré que yani, ils sont morts et Allah Ta'ala les a fait ressusciter. Aussi, il y a un autre verset dans le sourate Al-Baqarah où Allah Ta'ala a dit: فَأَخَذَتْهُمُ السَّاعِقَةُ نَعَمْ أَخَذَتْهُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Après, on les a fait ressusciter de nouveau. Mais, cher, c'est suffit d'un seul verset. Il a dit quatrièmement, la sagesse divine impose qu'il y ait une résurrection après la mort afin que chaque âme soit rétribuée par ses actes. En effet, dans le contraire, la création des hommes aurait été vaine, sans aucune valeur ni sagesse. Et il n'y aurait alors aucune différence entre les êtres humains et le bétail dans ce bas monde. Non. Donc, yani, s'il n'y avait pas une résurrection après la mort, pour être rétribué ou bien en bien ou bien en mal, qu'est-ce qui serait passé? Tout le monde dirait donc, et comme croient aussi les kofars, que yani, cette vie n'a pas de sens. Comme ça ils disent. Ils disent, cette vie n'a pas de sens. Non. Celui-là, il fait ce qu'il fait, comme tort, comme injustice, comme ceci et comme cela, et rien ne lui arrive. Non. Même on peut même pas le faire entrer en prison, tellement il a de connaissances. Non. Et celui-là, miskin, peut-être il ne fait rien. Yani,
On l'accuse, condamné à mort, etc. Donc pas d'injustice, y a rien. Et celui-là, yani, toute la vie, a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il part comme ça, y a rien. Et l'autre, toute sa vie, a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, y a rien. Donc, yani, c'est insensé. La vie, y a dit, est insensée. Alors que c'est pas vrai. Non. Ça aurait été comme ça s'il n'y avait pas quelqu'un qui régit cet univers. On serait alors tous comme des animaux. On vit notre jour, on fait ce qu'on veut, on dort et le lendemain la même chose. Ensuite, on nous jette dans un trou quand on meurt et tout est terminé, comme pensent beaucoup de gens. Mais là, non. Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, m'a décrété que tu es ici pour une épreuve. Et c'est un examen. Et demain, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il va te montrer quoi? Il va te montrer ton livre. Où il y a, est-ce que tu as réussi ou tu n'as pas réussi? Où il y a d'abord ce que tu as répondu à l'examen, hein, tout ce que tu as fait dans cette dunya, et ensuite il y a le résultat. Résultat, paradis, jahannam, paradis, jahannam, paradis, jahannam. C'est tout ce qu'il y a. Allah Ta'ala nous préserve. Donc seulement, yani, si quelqu'un faisait un peu d'effort pour réfléchir, il aurait dit non, c'est pas possible. Qu'on vit comme ça et qu'on meurt comme des animaux sans qu'il y ait un sens à cette vie, c'est pas possible. Non, il y a quelque chose après cela. Non. Il dit, ensuite, Cheikh a cité le verset, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans ce verset, une seconde, je le cherche, non. Al-Mu'minun 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un? Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramené vers nous. Vous pensez cela? C'est-à-dire, on va dire ça, il va dire ça, il me dit, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramené vers nous? Et le verset aussi, Inna sa'ata atiyatun. L'heure va certes arriver. Je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Non. Il a cité aussi le verset Nahl 38. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allah man yamut. Bala wa'ada 'alayhi haqqan, walakin akthar an-nas la ya'lamun. Liyubayyana lahum alladhi ikhtalifuna fihi wa liya'lam alladhina kafaru annahum kanu kadhibin. Inna qawluna li shay'in idha aradna an naqula lahu kun fayakun. Donc 38, 39, 40 Nahl. Et il jure par Allah en prononçant leur serment les plus solennels. Allah ne ressuscitera pas celui qui meurt. Subhanallah al-Azim. Non seulement il ne croit pas, mais il jure. Je jure par Dieu. Non. Que quoi? Que yani, il ne va pas ressusciter celui qui meurt. Qu'on va devenir poussière. Allah Ta'ala dit, bien au contraire, yani, il va vous ressusciter. C'est une promesse véritable de sa part. Mais la mouchkila, c'est quoi? La plupart des gens ne le savent pas. La plupart des gens sont yani, dans l'ivresse, dans un grand sommeil. Naam. Shaitan leur dit bonne nuit, passez de bonne nuit, dodo, dodo. Continuez comme ça, vous êtes bien, continuez comme ça. Donc la plupart des gens ne savent pas. Naam. Ensuite, Shir a cité aussi un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et vous avez remarqué ici, il jure par Allah. Subhanallah, il jure par Allah. Puis il ne va pas ressusciter les gens. Subhanallah. Il a cité aussi un autre verset où Allah Ta'ala a dit, non, afwan, la suite. Il les ressuscitera. Pourquoi? Afin qu'il leur expose clairement ce qu'en quoi ils divergent et pour que ceux qui ont mécru sachent qu'ils ont été des menteurs. Donc, ici, il a cité l'azul de sagesse. Pourquoi il va les ressusciter? La première, pour leur montrer en quoi ils divergeaient et qui avait raison, qui avait tort. Non. La deuxième des choses, pour prouver aux kuffars qu'ils étaient des menteurs quand ils disaient que il y a résurrection. Non. Alors, l'azul va le ressusciter, lui dire, alors qu'est-ce que tu penses maintenant que tu es là devant moi? Non. Va rien trouver à dire, bien sûr. Là, s'il lui a prouvé que c'est un menteur, c'est un menteur. Cheikh a cité un autre verset où Allah Ta'ala a dit, hein, quand nous voulons une chose, notre parole,
On lui dit soit Adi. Ensuite, voilà l'autre verset. Tarabun 7. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dit Messie, par mon Seigneur, je jure par Allah que vous serez ressuscités. Vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah Azza wa Jalla. Donc il a dit que ceux qui ont mécru prétendent. Et dans le verset qu'il a précédé, il a dit, ils jurent aussi, ils jurent par Allah qu'ils ne vont pas être ressuscités. Dit, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Puis, vous serez informés de ce que vous faisiez. C'est pas seulement tu es ressuscité, mais encore informé de ce que tu faisais, détail par détail, toute chose que tu faisais. Non. Tu en seras informé bi'idhna azzawajal. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, donc, si ces preuves sont exposées à ceux qui nient la résurrection, mais qu'ils persistent dans leur incrédulité, c'est qu'ils sont orgueilleux et hautains. Mais les injustes verront bientôt le bouleversement qu'ils vont connaître. Donc, tu peux montrer tout ça à quelqu'un qui ne croit pas, il va dire non, c'est pas vrai. Pourquoi? Il dit, c'est qu'ils sont orgueilleux et hautains. Mais laisse-les, comme on dit Allah Ta'ala dans le Coran, ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Laisse-les jouer, نعم, et يعني rentrer dans n'importe quoi, suivre n'importe quoi, et jouer jusqu'au jour où ils vont rencontrer le jour, يعني quand de le jour qu'on leur a promis. نعم. Ensuite, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dit, Allah a envoyé tous les messagers, Allah Ta'ala a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nisa 165, Rusulan mubashirin wa mundirin, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, wa kana Allah 'azizan hakima. En tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, n'am, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Donc, il a Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a commencé par ce verset, bi'idhnillahi ta'ala, yani, en disant Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dit, l'auteur, rahimahullah, c'est-à-dire Mohammed bin Abdul Wahhab, explique ici qu'Allah Ta'ala a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Ainsi que l'a affirmé Allah Azza wa Jal, ce qu'il a dit, Rusulan mubashirin wa mundirin, en tant que messager, annonciateur et avertisseur. Que fait le messager entre autres? Il annonce et il avertit. Là, annonce que, yani, il faut faire ceci, il faut faire cela, Allah Ta'ala a un paradis, un enfer, ceci, cela, et il avertit. Attention à celui qui n'obéit pas, attention à celui qui ne va pas se préparer, attention à ceci, cela. Ils annoncent donc le paradis à ceux qui leur obéissent et l'enfer à ceux qui leur désobéissent. L'envoi des messagers recèle des sagesses considérables, dont l'une des plus importantes, c'est même la plus importante, dit Cheikh, est d'ôter toute excuse aux gens afin qu'il n'y ait pas d'argument après l'envoi des messagers. Comme Allah Ta'ala l'a dit, il a dit, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, afin que, après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça, c'est l'une des grandes sagesses pour lesquelles Allah Ta'ala a envoyé les messagers. À part qu'il te montre le chemin vers Allah, et le chemin du paradis, et le chemin de l'enfer aussi pour s'en éloigner, à part cela, c'est aussi une preuve, yani, contre la personne qui ne lui a pas obéi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car s'il n'y avait pas les messagers, et que la personne se retrouve comme ça, debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, et que, yani, étonné comme ça, ensuite, Allah ta'ala va lui dire, faire, la personne va s'étonner et ne va pas accepter. Et Allah ta'ala, comment je peux savoir que vous existez? Vous ne m'avez envoyé aucun messager, ni vous avez fait descendre un livre,
Ni comment, hein, tout seul, je peux deviner que vous existez et qu'il y a un jour où on va se rencontrer et qu'il y a le paradis. Et encore moins que je connaisse les détails de ce qu'il faut faire comme adoration. C'est pas possible, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah ta'ala, aucune personne ne peut établir la preuve sur lui, Azza wa Jal. C'est pour ça donc qu'il a envoyé les messagers. Demain, quand tu vas ouvrir ta bouche, il va dire, tais-toi, je t'ai envoyé des messagers, tu n'as pas voulu les suivre. Hein? Tu riais d'eux, tu te moquais d'eux, tu disais c'est des sorciers, ils sont atteints de maladies occultes, ils sont ceux-ci, ils sont ceux-là. Non, tu détournais les gens de leur voix. Et comme ça. Donc tu ne pourras plus parler, tu ne pourras plus parler. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, une autre sagesse est que leur envoi fait partie de l'accomplissement du bienfait d'Allah pour ses serviteurs. Non, mais voilà une autre sagesse. C'est quoi? C'est que le fait qu'Allah Ta'ala les envoie, ça fait partie de l'accomplissement des grandes ni'mas, des grands bienfaits qu'Allah Ta'ala a sur qui? Sur yani, sa création, ses créatures. Comment cela? Il dit, en effet, la raison humaine, aussi développée soit-elle, est dans l'incapacité de concevoir en détail les devoirs qui incombent aux créatures envers Allah. Et elle ne peut non plus deviner les attributs parfaits d'Allah, Azzawajal, ni ses noms sublimes. Hein? Il a dit, c'est la raison pour laquelle il a envoyé les prophètes, qu'Allah les couvre d'éloges et les salue, en tant qu'annonciateurs et avertisseurs, et leur a révélé le livre en toute vérité, afin de juger les motifs de divergence qui opposent les hommes. Donc, voilà une autre grande hikma pour laquelle Allah a envoyé les messagers. Car ça rentre dans les ni'mas d'Allah Ta'ala qu'il a sur ses créatures. Non. Car, en effet, c'est comme je disais tout à l'heure, s'il n'y avait pas de messager qui serait venu, comment la personne peut-elle, yani, comme ça, avec sa pensée, seulement en raisonnant, connaître Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer. Et connaître ses noms et ses attributs, qu'Allah Ta'ala c'est l'Aziz, Ar-Rahman, Al-Ghafour, Al-Wadud, Al-Karim. Comment il peut savoir tout ça? Qu'Allah Ta'ala a les mains, les yeux, les pieds. C'est pas possible, le rire, l'étonnement. Comment il peut aller savoir ces choses-là s'il n'y a pas des messagers qui sont venus avec quoi, des livres et des hadiths? Donc c'est une grande ni'ma. Car Allah Azza wa Jalla, s'il avait voulu, hein, il nous aurait créé, il dit, que chacun fasse des efforts et se débrouille pour me connaître et m'adorer. Allez, ça se termine là. Et demain, vous allez me rencontrer. Celui qui a bien œuvré, il ira au paradis. Celui qui a œuvré mal, il ira en enfer. Allez, je n'envoie ni messager, ni je ne fais descendre de livre. Que chacun fasse des efforts personnels et se débrouille. Est-ce que quelqu'un peut lui dire, pourquoi Yarbi? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous n'avez pas envoyé de messager? Personne ne peut ça. Donc, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que quelqu'un, yani, pense de lui qu'il est injuste. Ou, yani, essaye d'établir la preuve sur lui. Personne ne peut. Donc Allah Ta'ala a envoyé des messagers. Et comme j'ai dit, ça rentre aussi dans ces ni'mas qu'il a sur ses créatures. On m'a Cheikh Ibn Uthaymeen dit, le plus important message que les envoyés ont prêché, depuis le premier Nuh, alayhi salam, jusqu'au dernier Muhammad, alayhi salam, c'est le monothéisme. Ainsi que l'a déclaré Allah Azza wa Jalla lorsqu'il a dit, Nahl 36, nous vous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarot. C'était le verset, l'Anbiya 25. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. C'est la traduction qui existe dans le programme. Cette traduction, même si elle est rapprochée, elle est fausse. Pourquoi? Il faut dire point de divinité, yani vrai. Il faut ajouter vrai. Point de vraie divinité en dehors de moi. Sinon, les fausses divinités, c'en est plein. Non. La ilaha, yani, Haq, naam. Yani, la ilaha yu'bad bi haq, naam. Mérite l'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite,
Cheikh Ibn Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a dit, le premier d'entre eux est Nuh, alayhi salam, Noé. Et le dernier est Mohammed, alayhi salam. La preuve indiquant que Nuh, alayhi salam, est le premier des messagers, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit, An-Nisa 163, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di. Nous t'avons, ya Mohammed, nous t'avons fait une révélation, comme nous fîmes à Noé, Nuh, et au prophète après lui. Ça, c'est une preuve que Nuh, c'est le premier. Quelle est la preuve? Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et au prophète avant lui ou après lui? Après lui. Donc, c'est lui le premier. Donc, c'est Nuh le premier prophète ici, bien sûr, et messager. Messager. Sinon, Adam était aussi un prophète. Mais il n'avait pas de message. Il n'avait pas de message. De ce verset, certains ont pris que tout prophète est messager. Il n'y a pas le contraire. Ils ont dit parce que Nuh a cité dans le verset qu'il était prophète. Alors que tout le monde sait qu'il est messager. Ils ont dit donc tout prophète est messager. Seulement il n'a pas, c'est pour ça qu'il n'a pas cité le mot messager. Pour certains, bien sûr. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmahullah ta'ala dit, Afoun mazal ma kamelnach ici, il a dit, Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen dit rahmahullah ta'ala, on rapporte. D'ailleurs, authentiquement, dans le hadith de l'intercession, que les gens se rendront auprès de Nuh et lui diront « Tu es le premier messager qu'Allah a envoyé aux habitants de la terre. » Aux habitants, ça s'écrit avec T-A, T-A-N-T-S. Donc, tu es le premier messager qu'Allah a envoyé aux habitants de la terre. Donc, même les gens, Yom al-Qiyamah, quand ils iront vers Nuh, qu'est-ce qu'ils vont lui dire pour yani, lui demander de faire l'intercession. Ils vont lui dire « Tu es le premier messager qu'Allah a envoyé aux habitants de la terre. » Le hadith se trouve dans Bukhari ou Muslim. Naam. Cheikh dit « Il n'y a donc pas de messager avant Nuh. On concevra donc aisément l'erreur que commettent certains historiens en affirmant qu'Idriss a précédé Nuh. » Il semble même qu'Idriss soit plutôt un prophète envoyé aux enfants d'Israël. Ensuite, le dernier et le sceau des prophètes est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En raison de la parole d'Allah azza wa jal, l'Ahzab 40, « Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khatam al-Nabiyyin, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. » Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Cheikh dit, il n'y aura donc pas de prophète après lui. Et quiconque prétend être prophète après lui est un menteur, un mécréant qui a renié l'islam. Vous savez qu'il y a, une secte qui s'appelle l'Ahmadiyya et qui s'appelle aussi le Qadianiyya. Car qui d'après eux, jusqu'à présent, c'est un prophète, qui s'appelle Qadiani. Qadiani, c'est-à-dire la ville du Westmoul, monsieur Bangladesh. Attendez, c'est pas Bangladesh, c'est... J'ai oublié le pays, il est très grand maintenant, c'est un chauffeur. Westmoul, le pays qui a été attaqué par les Westmoul. Les Russes, ou bien les États-Unis, c'est pas Westmoul. Très connu, Afghanistan. Non, pas Afghanistan. Afghanistan, c'est lui qui a été attaqué. Non. Donc, c'est un troisième pays, très grand pays. C'est ce grand pays, si je me souviens maintenant, ce menteur qui s'appelle Ghulam Ahmed Mirza. Non, pas d'Irak. C'est Pakistan. Pakistan, voilà. J'ai confondu entre Afghanistan et Pakistan. Du Pakistan, il est. Et d'une ville qui s'appelle Qadian. C'est pour ça qu'on dit de lui le Qadiani. Il s'appelle Ghulam Ahmed Mirza. Il a dit qu'il était Isa, ensuite il a dit qu'il était fils de Dieu, ensuite il a terminé, et il a commencé par Mahdi, je suis le Mahdi, il a terminé en disant, je suis un messager qui est venu après Mohammed Khlas. Et je crois qu'il a dit aussi, c'était lui Isa, le Muhim. Il a prétendu la prophétie. Et ceux qui le suivent s'appellent l'Ahmadiyoun.
Ahmadiyoun. Pourquoi? Parce que lui, il s'appelle Ahmed. Ahmed Roulam Mirza. Et jusqu'à présent, bon, il est mort, c'était en 1800 et quelques, 1900 et quelques. Il est mort, c'est les Anglais qui l'ont placé, quand ils ont quitté le Pakistan, ils l'ont placé parce qu'il dit il n'y a pas de djihad, il n'y a rien. Non. Il dit que, entre autres, parmi les folies qu'il dit, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala jeûne. Allah ta'ala prie, Allah ta'ala dort. Que Allah ta'ala nous préserve. Il a même des livres, il a écrit des livres, certains livres. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ça, je suis pas arrivé au plus grave. Fawzi, vous m'entendez, je suis pas arrivé au plus grave. Cette secte, quand il est mort, bien sûr, il y a ce qu'on appelle des khalifas. Quand ce mécréant est mort. Ensuite, il y a des khalifas. Ceux qui ont pris le pouvoir après lui, il y a les de la secte. Les reines de la secte. Premier khalifa, deuxième, troisième. Je crois maintenant qu'ils sont au 15e khalifa, je crois. Et, subhanallah al-adhim, chose étonnante, le khalifa maintenant qui vit jusqu'à de nos jours, qui passe même à la télé dans des conférences, etc., il vit en Angleterre. Tous ils sont d'Angleterre. Pourquoi? C'est un de l'Angleterre qui les a mis. C'est elle qui leur donne l'argent, c'est elle qui les paye, c'est elle qui ceci. Et si vous avez remarqué, toutes les sectes, il y a un égaré du monde se trouve en Angleterre. Je sais pas si vous savez ça. Il y a une mosquée pour les soufis, une mosquée pour les rawafid, une mosquée pour l'Ahmadiyoun, une mosquée. Mais le plus grave, non, plus grave que je vais dire maintenant, c'est qu'en Algérie, subhanallah al-azim, cette secte que, on n'a jamais entendu parler d'elle, si ce n'est que on a lu ça dans les livres, elle a commencé à exister seulement une année ou deux. Et que pire que cela, ça s'est vite propagé. Ce qui prouve que, vraiment, il y a derrière, des gens qui travaillent, qui sont bien payés pour travailler. Et ça a commencé à ce que, il y a, je crois, 2000 en Algérie, je crois. Alhamdoulillah que, l'État s'est réveillé et, a fait des rafles jour et nuit ces derniers temps. Pour y aller les exterminer, les mettre en prison, et je sais pas ce qu'il a fait avec eux. Non. Mais vraiment, ils ont fait ravage. Ils allaient faire ravage en Algérie. Si ce n'est qu'Allah Ta'ala nous a aidés, et a aidé l'État, à se rendre compte de ce grand mal. Imagine, dans ta maison, l'ami te dit, il y a un autre prophète. C'est pas Mohammed, d'accord, c'est un prophète, mais il y a Ahmed Mirza qui a après lui. Subhanallah al-Azim. Bien sûr, il ne prie pas avec nous dans la mosquée. Il ne prie pas aussi le Jumu'ah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Quand on les a vus la fois passée à la télé, la télé ici en Algérie. À chaque fois qu'ils attrapaient un groupe, ils les montraient. Non. Subhanallah, tu t'étonnes. Mais celui-là, subhanallah al-Azim, c'était Ahmed, et celui-là, c'était un kafir. Subhanallah al-Azim. Alors qu'il parle avec des versets, des hadiths, subhanallah al-azim. À ce point, à ce point bête, d'accepter qu'il y a quelqu'un après Mohammed alayhi salam. Subhanallah ni'mal al-wakil. Donc, c'est grave, vraiment grave. Ils ont une chaîne, sur Nilsat, ou là, qui s'appelle TMA, ou la TMAV, ou quelque chose comme ça. C'est une chaîne avec des cours et avec on parle de Roulam Mirza à chaque fois, on parle de lui, on parle de sa sira, comment qu'il était, comment. Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim. Il suffit seulement d'écrire sur Google Roulam Mirza ou bien Roulam Ahmed Mirza en français ou en arabe et de cliquer sur image pour voir sa photo si ce n'est pas un chétan. Non, si ce n'est pas un chétan. Regardez seulement ses yeux, comment qu'ils sont, si ce n'est pas un chétan. Hada c'est un nabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Le djihad, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que maintenant, je dois attendre une minute parce que la plupart sont sur Google, en train d'écrire. Wallahu alam. Donc, je trouve que. Ensuite, Cheikh Mohamed Abdel Wahab, rahimahullah ta'ala, a dit Allah a envoyé un messager à chaque communauté, depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Mohamed, qui leur ordonne d'adorer Allah azza wa jal exclusivement
et leur interdit d'adorer le tarout. Cheikh Ibn Uthaymeen commente, rahmallahu ta'ala, il dit, c'est-à-dire qu'Allah a envoyé à chaque communauté un messager qui les invite à adorer exclusivement et leur Allah exclusivement et leur interdit de commettre des actes de polythéisme. La preuve à ce sujet, c'est le verset, c'est le verset où Allah Ta'ala dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On l'a cité, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Je ne sais pas si on l'a affiché ou pas encore. Une seconde. Voilà. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah subhanahu wa ta'ala, écartez-vous du tarout. Cheikh Ibn Abd Wahhab rahimahullah ta'ala dit, Allah a imposé à tous les serviteurs de renier le tarout et de croire en Allah. Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, le tarout est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse les limites qu'il s'agisse d'adorer, suivi ou obéi. C'est quoi le tarout? C'est tout ce par le biais duquel le serviteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépasser ses limites. Qu'il s'agisse d'un être adoré ou quelqu'un qu'on suit ou quelqu'un auquel on obéit. Auquel on obéit. Cheikh Ibn Uthaymeen dit le tarout, on doit renier le tarout. C'est une chose que Allah Ta'ala a imposée à ses serviteurs. Le pluriel de tarout est tawarit. Le terme tarout dérive du substantif orien, qui signifie outrepasser des limites. Allah a fait usage de ce terme lorsqu'il a dit, l'Haqqa 11, Inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariya. C'est nous qui, quand l'eau déborda, nous vous avons chargé sur l'arche. Inna lamma tagha al-ma'. L'eau a débordé. Ça veut dire qu'il a dépassé les limites. Il est sorti de ses limites. Tara. Quand on dit Tara, ça veut dire qu'il a dépassé les limites. Tarout. C'est quelqu'un qui a dépassé les limites. Taria. Pluriel, tawarit. Non. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmahullah ta'ala, dit, c'est-à-dire que lorsque l'eau dépassa ses limites habituelles, nous vous avons transporté sur l'arche, qui est un terme désignant le navire de Nuh. D'un point de vue terminologique, la meilleure définition qui a été donnée est celle de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui a dit du tarout qu'il s'agit de tout ce qui, par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites, qu'il s'agisse d'un être suivi, obéi ou adoré. Il dit, écoutez bien, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, il dit, cependant les gens pieux ne doivent pas être considérés comme des tawarites, même s'ils sont suivis, obéis ou adorés. Je répète, cependant les gens pieux ne doivent pas être considérés comme tawarites, même s'ils sont suivis, obéis ou adorés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les gens pieux qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il va mourir. Il y a des gens, par exemple, qui vont aller autour de sa tombe tourner, ou bien lui demander de donner des enfants, ou bien faire tomber la pluie ou là. Si cet homme était un homme pieux, non, on ne dit pas de lui c'est un tarout. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas ça s'il était vivant. Il n'aurait pas accepté ça. Par contre, on dit de lui c'est un tarout, même mort, c'est quoi? Si de son vivant, il acceptait cette chose. C'est pour ça que Cheikh dit ici, s'ils étaient pieux, non, on ne les appelle pas tawarit, même s'ils ont été suivis, obéis ou adorés. Ainsi, les statues qui sont adorées en dehors d'Allah sont des tawarites. Les savants du mal qui invitent à l'égarement, à la mécréance, à l'innovation, à légitimer ce qu'Allah Ta'ala prohibe ou à interdire ce qu'Allah Ta'ala autorise sont des tawarites. De même, Cheikh dit, de même, ceux qui embellissent aux dirigeants le fait de délaisser la législation islamique, la charia, pour des législations importées qui s'opposent au système de la religion islamique, sont aussi des tawarites. Sont aussi des tawarites. Aide le passage là, le passage, il va parler des tawarites et des dirigeants, etc. Je préfère le lire, inshallah ta'ala, après le Aden, parce que il vient d'appeler à la prière.
Je vais prier, inshallah ta'ala, et quand je reviens, je termine ce paragraphe, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Donc, je continue, inshallah ta'ala. Ensuite, tout à l'heure, j'avais bouncé une sœur. Bien sûr, j'ai pas fait exprès. Je vous avais dit que la souris, elle est, de temps en temps, elle fait des choses toute seule. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, ainsi, les statues qui sont adorées en dehors d'Allah sont des tawarites. Les savants du mal qui invitent à l'égarement, à la mécréance, à l'innovation, à légitimer ce que Allah Azzawajal prohibe ou à interdire ce que Allah autorise sont des tawarites. De même, ceux qui embellissent aux dirigeants le fait de délaisser la législation islamique pour des législations importées qui s'opposent au système de la religion islamique sont aussi des tawarites. Pourquoi? En effet, ceux-là ont. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont outrepassé leurs limites. Ainsi, la limite du savant est de se conformer aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les savants, en vérité, sont les héritiers des prophètes. Alaykoum salam. Donc, je disais, de même, ceux qui embellissent aux dirigeants le fait de délaisser la législation islamique pour des législations importées qui s'opposent au système de la religion islamique sont aussi des taourites. En effet, ceux-là ont outrepassé leurs limites. Ainsi, la limite du savant est de se conformer aux enseignements du prophète Alayhi. Car les savants, en vérité, sont les héritiers des prophètes. Ils héritent de leur science, de leurs actes, de leur éthique, de leur prédication et de leurs enseignements. Et de leurs enseignements. Donc, s'ils outrepassent cette limite et embellissent aux dirigeants le fait de délaisser la législation islamique pour des systèmes importés, ce sont des tawarites. En effet, ils ont outrepassé leur obligation de se conformer à la législation islamique. Et comme vous devez le savoir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de savants, en parenthèse, soi-disant savants, qui font cela. C'est-à-dire qui embellissent au qui? Aux dirigeants, yani, le fait que ce n'est pas grave, yani, de juger par des lois autres que les lois d'Allah Azzawajal. C'est pour ça que on peut pas dire directement d'un dirigeant, même s'il ne juge pas avec les lois d'Allah Ta'ala, pas dire qu'il est kafir, car parmi les excuses qu'il peut avoir, c'est qu'il ne savait pas, il est djahil, et c'est que le savant qui l'entourait, ou les âmes pseudo-savants qui l'entouraient, ne lui ont pas montré, ils lui ont embelli l'autre chemin, yani, opposé, ou l'iyadu billah. Et c'est pour ça aussi, on prend de cela que il n'y a pas un savant, un vrai, un savant rabbani, comme on dit, qui yani, ne montre pas la vérité aux dirigeants et ne leur expose pas clairement yani, les choses qu'il faut suivre et les choses qu'il faut délaisser. C'est pour ça que c'est impossible qu'on dise, yani, qu'on pense de Cheikh Ibn Uthaymeen ou bien Cheikh Fawzan ou bien yani, les grands radou ta'ala, qui n'ont pas yani, montré aux savants, pour nos dirigeants, quel est le chemin yani, le vrai qu'il faut suivre. Tout ça, c'est pas vrai, c'est faux. Ça, c'est la parole des takfiriyoun, ou l'iyadu billah, qu'ils pensent du mal yani, des grands savants. Il dit ici, car imaginez ici, Cheikh Ibn Uthaymeen, vous avez entendu ce qu'il dit. Il dit que ce sont des tawarites. Donc, d'après les takfiriyoun, donc, Cheikh Ibn Uthaymeen est en train de parler de lui. Il dit de lui que c'est un taroute. Ça veut dire qu'il ne montre pas lui aller au dirigeant. Lui, Ibn Baz, Allah yarhamou, et Cheikh Saadi et les grands hadou. Naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. Il dit, quant au terme obéi que l'auteur a utilisé, il dirige par là, il désigne par là les dirigeants auxquels on obéit par conviction religieuse ou par nécessité. Naam. Les dirigeants auxquels on obéit par conviction religieuse sont ceux qui ordonnent de faire ce qui est conforme aux lois, aux ordres d'Allah Azzawajal et de son message. Tant qu'ils font cela, le terme tawarik ne s'applique pas à eux. Non. Le devoir des gouvernés, pas des gouverneurs, le devoir des gouvernés envers eux est de les écouter et de leur obéir. L'obéissance que les gouvernés vouent aux dirigeants, si la condition précédente est remplie, c'est-à-dire que
s'il dirige avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, l'obéissance que les gouvernés vouent aux dirigeants, si la condition précédente est remplie, revient à obéir à Allah azawajal. C'est pourquoi il convient de se rappeler, lorsque l'on exécute un des ordres du dirigeant pour lequel on se doit de lui obéir, que on est en train d'adorer Allah azawajal et on est en train de se rapprocher de lui en lui obéissant, en obéissant au dirigeant, s'il dirige par les lois d'Allah. Hein? Il dit ceci afin que l'exécution de cet ordre soit considérée comme un acte nous rapprochant d'Allah Azzawajal. Il convient donc de se rappeler cela, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit, il a dit le verset, Nisa 59, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum. Aux croyants, aux les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et vous avez remarqué une chose avec moi, c'est sûr. Il a employé combien de fois le verbe obéissez? Deux fois. Obéissez à Allah, hein, et obéissez aux messagers. Et il n'a pas dit et obéissez aux dirigeants. Mais il a dit à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Sans dire obéissez, pour qu'on sache que leur obéissance est en fait reliée à l'obéissance d'Allah et de son messager. C'est-à-dire que tant que, ils n'obéissent pas à Allah et à son messager en appliquant, les lois, hein, de son messager, donc, dans ce cas, il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas d'obéissance, sauf, fil ma'ruf. Sauf dans la chose, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdite. Pour ce qui est de l'obéissance aux dirigeants par nécessité, elle découle du fait que si le pouvoir des dirigeants est fort, les gens leur obéiront en raison de cette force. Mais si cela ne se fait pas par conviction religieuse, il dit en effet l'obéissance aux dirigeants peut se faire par conviction religieuse et c'est ce qui est le plus bénéfique tant pour les dirigeants que pour les gouvernés. Car des fois on peut obéir à un gouvernant, un gouverneur, mais on ne le fait pas par conviction religieuse. Des fois, on le fait par exemple, si tu fais pas ça, il te fait rentrer par exemple en prison. Cheikh Ibn Othaymine dit, si leur obéissance, sa base, c'est conviction religieuse, alors là, il dit vraiment, c'est bien et bénéfique, tant pour les dirigeants que les gouvernés. L'obéissance peut être aussi la conséquence de la puissance et de la force du dirigeant, que les gens redoutent, comme on l'a dit tout à l'heure, et craignent, car ils savent qu'il sera impitoyable envers celui qui désobéira. Non, c'est pour ça que, comme j'ai dit, on peut obéir, mais pas par conviction religieuse. Ensuite, le cheikh va résumer, il dit, c'est pourquoi nous affirmons que les gens peuvent vivre différentes situations avec leurs dirigeants. Il y a quatre situations. Quatre situations avec le dirigeant. Il n'y a pas de cinquième. Première situation. Lorsque la conviction religieuse des gens et l'autorité du dirigeant sont au plus haut. C'est là la meilleure et la plus éminente des situations. La meilleure des situations, c'est quoi? C'est lorsque la conviction religieuse des gens et l'autorité du dirigeant sont au plus haut. Donc les gens, alhamdoulillah, obéissent aux dirigeants par conviction religieuse. C'est pas par peur. Et en même temps, l'autorité du dirigeant est vraiment haute. Il dit là, c'est la meilleure et la plus éminente des situations. Deuxième situation. Lorsque la conviction religieuse des gens et l'autorité du dirigeant sont faibles, c'est-à-dire que c'est le contraire, c'est là la pire des situations et la plus dangereuse pour la société, tant au niveau des dirigeants que des gouvernés. En effet, quand la conviction religieuse et l'autorité du dirigeant s'amenuisent, c'est l'anarchie de la pensée, de la morale et des actes qui s'installent. C'est l'anarchie. Pourquoi? La conviction religieuse est faible et l'autorité du dirigeant est faible. Troisième situation. Lorsque la conviction religieuse est faible, mais que l'autorité du dirigeant est forte, c'est là une situation intermédiaire au milieu. En effet, si l'autorité du dirigeant est forte, cela présente un intérêt certain pour la communauté en apparence. Si en revanche le dirigeant n'a plus d'autorité sur les gouvernés, inutile de décrire alors l'état de la communauté et la fourberie de leurs œuvres. Non. Si
Le dirigeant n'a aucune autorité, donc khlas. Yani, c'est la pagaille, comme on dit. Quatrième situation, lorsque la conviction religieuse est forte, yani dégouvernée, mais que l'autorité du dirigeant est faible, la communauté paraîtra alors moins bien portante que dans la troisième situation. Cependant, la relation privée du serviteur avec son seigneur sera plus complète et d'un degré supérieur. Ah, voilà les quatre situations de Inna Ta'ala. On arrête là. Je dis subhanakallahumma bihamdik, shahadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, 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 qu'il reste un seul cours. Il reste un seul cours, bi'idhnillahi ta'ala, ou peut-être, si je ne peux pas, il reste deux cours. Wallahu ta'ala. En tout cas, le ramadan est proche, et on a besoin au moins d'un cours ou de deux, yani pour le ramadan, inch'Allah ta'ala. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand je suis parti à la mosquée qu'il fallait préparer des questions. Je ne sais pas si elles sont prêtes ou bien on attend un peu. Je vous donne le micro, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Le son est clair, Inch'Allah. Faible. Vous voyez? Cher, moi faible. Alors, on va essayer de. On va régler le son, Inch'Allah. Ok. Là, je pense que c'est mieux. Le son est meilleur. Alhamdulillah. Donc, cher, on a préparé des questions, alhamdulillah. On a pu récupérer les 10 questions. Donc, nous allons passer à la première question, si vous le souhaitez. Et ce sera la question d'un frère. Mais juste avant, cher, je vais vous passer un petit garçon qui va vous passer le salam. Salam alaikum, cher. Voilà. Donc, cher, on commence avec la première question, question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Dans une séance de questions-réponses, vous avez répondu à une question concernant le verset Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Plus loin dans votre réponse, vous avez expliqué que Allah avait choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il avait vu son cœur ou quelque chose qui se rapporte à ça. Et vous avez expliqué. Il me semble la même chose pour les Sahaba. Qu'Allah avait aussi regardé leur cœur et c'est pour ça qu'ils ont été choisis. Je tiens à prévenir tout le monde que dans aucun cas, je ne souhaite dire dans mes propos qui vont suivre qu'Allah est injuste ou quoi que ce soit. C'est mon Dieu, je l'adore sans rien lui associer. Il m'a guidé alors que j'étais dans les ténèbres. Je ne pourrai jamais assez le remercier pour cela. Là où je veux en venir, c'est que je crois à tout ça comme quoi Allah a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Mais là où je me pose des questions, c'est qu'Allah a créé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son bon cœur comme il a créé les sahaba. Avec leur bon cœur, mais Allah savait déjà cela à l'avance, puisque c'est lui qui les a créés avec leur cœur plein de bonté. C'est Allah qui a créé tous les gens ainsi que tous les cœurs, donc il a créé des cœurs bons et aussi des cœurs mauvais, où je me trompe. Donc mon gros problème, c'est que pourquoi Allah n'a pas fait que parmi tous les hommes et toutes les femmes du monde qu'il a créés, les mécréants y compris, pourquoi n'a-t-il pas fait que tous les êtres humains ont de bons cœurs, comme celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des sahaba, pour que tous les humains soient aussi parmi les gens qu'il a guidés? Cela ne rentre-t-il pas dans sa parole qu'Allah égare qui il veut, concernant aussi bien un mécréant que pour un musulman pervers? J'espère avoir été assez clair et explicite dans ma question, et d'avoir une réponse qui m'enlèvera toute mauvaise pensée. Je demande à Allah, gloire et pureté sur lui, de me pardonner tous mes mauvais propos qui pourraient être contenus dans cette question, et qu'Allah me guide ainsi que vous, chers, et les admins, et tous ceux qui nous écoutent, et nos familles, à tous également. Amin. Tafadhal cher, désolé pour la longueur de la question. Je dis pour le jeune garçon, je lui dis alaykoum salam, wa barakatuh, mais je ne l'ai pas reconnu.
Il ressemblait un peu tous les enfants, il y en a des frères Laibel. Et tous les enfants qui sont là-bas dans le pays des Kofar, il y en a quand ils parlent à peu près du ont le même accent, le même femme. Ils parlent tous comme ça à peu près. Laibel, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de lui, il y a un pieux, quelqu'un qui soit sur la sunna, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à ce qu'a dit la sœur ici, c'est très important. Le frère, je ne sais pas, dans sa question ici, c'est bien de poser des questions. Le frère, c'est bien aussi de poser des questions pour enlever les choubouhettes, etc. Le hadith qu'il a cité, ou bien la chose qu'il a citée, c'est en fait un hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. C'est lui qui a dit ça. Il a dit que Allah Ta'ala a regardé dans les cœurs, il a trouvé le cœur de Muhammad parmi les meilleurs des cœurs, il l'a choisi. Ensuite, il a regardé dans les cœurs, il y en a des autres, il a trouvé les sahabas, c'était les meilleurs, il les a choisis pour être disons, ses ministres, ou ses sahabas. Ce hadith est authentique, même s'il est mawquf sur Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhuma. Et Cheikh Al-Albani a dit qu'il était authentique, ou du moins bon, du moins bon. Mais si j'ai une bonne mémoire, il a dit qu'il était authentique, c'est-à-dire plus que bon. Ensuite, quand la personne a son problème, c'est de dire comment d'un côté, c'est Allah Ta'ala qui les a créés avec un bon cœur. Ensuite, de l'autre, il les a choisis, ou là, il savait d'avance. Ensuite, pourquoi nous tous, il nous a pas choisis tous avec un bon cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Allah Ta'ala est juste. Allah Ta'ala a créé la personne et lui a mis dans son cœur et le bien et le mal. Et lui a envoyé des messagers et a fait descendre des livres pour lui dire, Naam, le bien que tu as dans ton cœur, tu dois le travailler davantage pour qu'il grandisse, Naam, pour qu'il ne s'amenuise pas. Et le mal que tu as dans ton cœur, tu dois le combattre aussi pour qu'il devienne, yani, petit petit, jusqu'à ce que, yani, peut-être qu'il disparaisse si c'est possible. Naam. C'est pour ça que beaucoup de versets où il dit, on lui a donné les deux chemins. Et il dit aussi, ou bien Shakiran ou bien Kafura. Ou bien c'est quelqu'un qui y a un Yushkor et va me remercier, etc. Donc suivre le bon chemin, ou bien Kafur, ou bien quelqu'un qui va se détourner et devenir mécréant. Ensuite, le hadith est clair. Je vais citer un hadith clair qui montre aussi quoi? Qui montre que, ou alors deux hadiths qui montrent que, yani, tous les gens étaient créés comme ça. Le premier, l'exception du hadith, hein, qui montre que le prophète Aslam, excepté, et lui, et peut-être aussi les messagers avant lui, Allah Ta'ala, avant qu'il fasse l'ascension, le prophète Aslam, il a envoyé Jibril. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a enlevé quelque chose du cœur. Il l'a jeté. Il lui a lavé son cœur. S'il était déjà créé, comme dit cette personne, ou pense cette personne, que tout le monde est créé avec un bon cœur, donc pourquoi il lui envoie Jibril pour lui enlever le mal qu'il y a dans le cœur et la chose noire, etc., la partie du shaitan. Donc, ça c'est une preuve que, yani, tous on est créés avec les deux choses comme j'ai cité. Ensuite, le hadith authentique, très clair, du prophète Aïssa Ala wa inna fil jasadi mudra, ida salahat salaha sayyid jasad, ou ida fasadat fasada sayyid jasad. Certes, n'y a-t-il pas, comme a dit le prophète Aïssa Salam, dans le corps, un morceau de chair, qui, s'il est bien, yani, tout le corps sera bien, s'il est mal, tout le corps sera mal. Qui est quoi? Le cœur. Il a dit le cœur. Donc c'est une preuve ici, flagrante, non, que s'il est bien, le corps sera bien, s'il est mal, le corps sera mal. Non. Donc, c'est une preuve que le cœur, il est des fois bien, ou alors il n'est pas bien. Et ce n'est pas, comme a dit la personne, que tous les cœurs, toutes les personnes sont créées avec un bon cœur. Ou là, c'est Allah Ta'ala qui a dit, je vous donne un bon cœur, celui-là, je lui donne un mauvais cœur. Comme ça devient d'injustice. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit, dans le verset très clair, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Je vais chercher vite ici, qu'est-ce que ça donne en français? مَنْ زَكَّاهَا. Une seconde, مَنْ زَكَّاهَا. نعم. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
وقد خاب من دساها. On va voir le verset qui va suivre après. وقد خاب من دساها. Voilà. Donc en français, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Attendez, je vais chercher. C'est Shams. Donc c'est Shams quoi? Shams 9-10. Shams 9-10. Bon. Alors Shams 9-10. Shams 9-10. A réussi, certes, celui qui l'a purifié. Et a perdu, certes, celui qui l'a corrompu. Donc Allah Azza wa Jalla t'a donné une nafs. Et ton nafs marche bien sûr. C'est le cœur qui l'a fait marcher. Donc si le cœur il est bien, Alhamdoulilah, tu vas purifier ton âme. Et tu seras au paradis. Si ton cœur n'est pas bien, il va te dire des mauvaises choses et te pousser à mauvaises choses. Et tu seras des perdants. Pourquoi? Car tu as corrompu ton nefs. Et tu ne l'as pas yani, maîtrisé, tu ne l'as pas combattu et tu ne l'as pas yani, domestiqué, si je puis dire. Hein? C'est comme un cheval sauvage, tu le laisses comme ça au lieu de le dresser. Donc voilà, inshallah ta'ala. Très vite la réponse pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala est juste et a créé tous les êtres humains égaux et a placé en eux le bien et le mal dans leur cœur et leur a dit voilà, si vous travaillez le bien, etc., vous allez fortifier, etc., alhamdoulilah, vous irez au paradis. Si vous penchez maintenant vers le mal seulement qu'il y a dans le cœur et vous travaillez votre mal, vous allez vous trouver en enfer, walayadu billah. Si la personne a encore des choses que je n'ai pas bien expliqué, qu'elle me le dise, inshallah ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Donc, on passe à la deuxième question, question d'un frère. Salam alaikum, ya cher. Ya cher, hafizakoum Allah. Car vous préservez ainsi que votre famille. Vous évoquez le terme tarout, fort de sens et d'explication. Existe-t-il un pilier en islam d'appellation kufr bit tarout, tarout, ou ceci est une fausse appellation, car très souvent les tekfiris font allusion au terme kouf bi tarot. Tafadar yashir. Le kouf bi tarot a été cité dans un verset, comme il y a des centaines de versets sur beaucoup d'autres choses. Parce que Allah Ta'ala a dit فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهُ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Les takfiriyon laissent tous les versets qui parlent d'autres choses et se basent seulement sur kouf bi tarot. Et pour eux, le tarot, c'est seulement le dirigeant. Même si tu lui dis, par exemple, cette personne qui est un gouverné, c'est un tarout, parce qu'il fait telle ou telle chose, il te dit non, le dirigeant, c'est lui le tarout. Et spécialement parce qu'il ne juge pas par Allah subhanahu wa ta'ala. Le coffre du tarout existe, mais certes, ce n'est pas. Il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi beaucoup d'autres choses importantes. Mais c'est devenu maintenant comme un shi'ar des takfiri. Qui du matin au soir, kof betarot, kof betarot, kof betarot, c'est bien kof betarot, mais Allah Ta'ala a dit, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَمَنْ comment dit-il dans le verset, c'est dans Sourate Al-Baqara, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, lorsqu'il a dit, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Il a dit, يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Donc, l'iman billah, où est-ce que tu l'as mis toi le takfiri? Où est l'iman billah? Iman billah, ça demande l'iman que Allah Ta'ala existe, l'iman que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma al-sifat. Ça, le takfiri ne pense pas à ça. Il pense seulement la dernière moitié du verset. Yukfur bit-tawhid. Il essaye de réaliser ça. Ça, c'est important, ça. Mais avant ça, oui. Le tawhid al-rububiyya, l'uluhiyya, l'asma al-sifat. Donc il faut bien savoir que maintenant c'est surtout un shi'ar des takfiri. C'est surtout eux qui se basent beaucoup sur cette chose et ils ne connaissent que ça. Kof bitarout, c'est vrai, c'est important. Mais pour eux, il n'y a que ça, c'est ça l'islam. Kof bitarout, tu es musulman, croyant, il n'y a pas kof bitarout, là tu es sorti de l'islam. Que Allah nous préserve des déviances et des fausses aqidah. Tfadal. Amen. Donc le frère, pour la première question, il dit qu'Allah vous récompense, c'est très clair pour lui. Et nous passons à la troisième question, question d'un frère. Est-ce que la da'wa salafia est présente à la ville de Magnia, je ne sais pas si je le prononce bien, en Algérie, pour projet de hijra? Barakallahu fikoum.
تفضل يا شيخ. Naam, j'ai entendu que là-bas il y avait, mashallah, la salafia. Il y avait des frères salafis, et yani, alhamdoulilah, ils invitent là-bas des mashayikh, ils invitent, ils font des muhadarat, ils font des conférences, ils font des dawrat, ils font. Enfin, ce qui nous arrive de là-bas, yani, l'akhbar, c'est que c'est mashallah. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, tfadhal. Là, on fait comme cher, donc on passe à la quatrième question, question d'une sœur. Salam alaikum cher, je voudrais savoir si les enfants accompagnés de leurs parents, lorsqu'ils sont dehors à l'heure du maghrib, rentrent dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de faire rentrer l'enfant à l'heure du maghrib. Si oui, pour la question, cela dure combien de temps? Tafadhal cher. Cette question contient deux questions. Lorsqu'ils sont accompagnés, et ça dure combien de temps? Je réponds pour la deuxième. Ça dure combien de temps? Ça dure juste tant que le soleil se couche. Hein? Si on commence à se coucher, enfin, j'ai dit se couche. Ça dure jusqu'à ce que yani, ça devienne bien noir. Parce que quand le soleil se couche, ensuite il y a quelque chose comme ça, un peu yani, de rouge comme ça sur l'horizon. Ensuite, ça devient noir, alhamdoulillah. C'est juste à ce moment. Et ce moment est assez long, bi'idhnillahi ta'ala, est assez long. Ça peut être 20 minutes, une demi-heure. Non, des fois c'est un peu plus. Le mohim, après, quand c'est noir, pleine nuit comme ça, il n'y a aucun problème, bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi? Parce que, comme a dit le hadith, en ces moments-là, vous connaissez que lorsque le soleil veut se coucher, déjà le shaitan se prépare, yani pour ressembler aux adorateurs du soleil, et il met ses deux cornes entre le soleil pour que les gens yani, qui adorent le soleil, yani, lui, ils trouvent un grand plaisir, ils disent en même temps, ils sont en train de se prosterner pour moi, et les shayatines yani, se dispersent sur toute la terre. Non. Quant à, est-ce que s'ils sont accompagnés avec les parents, est-ce que c'est moindre mal? Ça demande un peu de recherche, mais ce que je veux dire, le grave, c'est quand ils sont seuls. Ils sont seuls, yani, pendant ce moment-là. Sinon, si la personne est avec ses parents et qu'il est sorti pour aller yani, acheter ou pour aller, je ne sais pas, ramener de l'école ou ceci ou cela, ça c'est une excuse. Mais le hadith parle que quand on laisse les enfants tout seuls dehors, nan, en ce moment, yani, où les shayatines se dispersent. Shayatines se dispersent. Voilà, rentrer chez la famille, par exemple. Nan. Mais il faut faire attention quand ils sont seuls et pendant yani, les minutes où le soleil se couche, c'est toujours yani, c'est jusqu'au Isha, à peu près. À peu près. Après l'Isha, inshallah ta'ala, il n'y a aucun problème. Bi'idhnillahi ta'ala. Mais quand je dis il n'y a pas aucun problème, ça ne veut pas dire qu'on doit les laisser tout seuls yani, après Isha dans la rue, bien sûr. Mais yani, si, il n'y a pas le problème des shaitans, comme dans la question. Wallahu a'lam, tafadhal. Barakallahu fikoum cher. Donc on passe à la cinquième question, question d'une sœur. Qu'Allah vous récompense de la meilleure manière, de la meilleure manière, ainsi qu'aux admis. Quel est le statut de ceux qui se disent musulmans, mais qui ne lisent jamais le Coran, qui n'apprennent pas leur religion et qui n'accomplissent pas la prière? Comment conseiller ces personnes? Tafadhal cher. Le moins qu'on puisse dire par rapport à ces gens-là, que yani, s'ils meurent dans cet état, c'est vraiment très grave pour eux. Le moins qu'on puisse conseiller, qu'on puisse dire sur ces personnes-là, qui ni ne prient, ni ne lisent le Coran, ni. D'ailleurs, celui qui prie pas, c'est aussi, yani, peut-être ne jeûne pas aussi. Enfin, il y a des gens qui ont vécu soi-disant 80 ans et sont morts sans jamais se prosterner, une seule prosternation. Ils sans jamais tenir le Coran entre leurs mains. Jamais, jamais, ils n'ont vu ce que c'est le Coran comme ça de près, ils ne l'ont ouvert et n'ont lu, ne serait-ce que Qul huwallahu ahad, jamais ils l'ont fait de leur vie, ils sont morts. Ils n'ont jamais prié, n'ont jamais jeûné, non, non. La plupart des savants disent c'est des kofars. Pas. Reste que, c'est la chose qui l'a poussé à ce qu'il fasse ainsi,
a dit quand il sera entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala le jugera. Allah ta'ala le jugera. Est-ce qu'il vivait en Amazon, ou là en Amazonie, ou là il savait pas ce qui se passait, il vivait avec donc les hommes, comment ils s'appellent, les hommes de l'Amazon, quand Allah alam. Ou est-ce qu'il vivait avec les gens, et il entendait l'adhan, et il entendait, il voyait les mosquées, il voyait les gens les prier, il voyait dans sa famille les gens en train de jeûner, et il voulait pas suivre. Tout ça, c'est Yom al-Qiyamah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui jugera. Pour nous, quelqu'un qui fait comme ça, qui meurt sans jamais prier, sans jamais avoir s'être prosterné au moins une fois, la plupart des savants disent c'est un kafir. Je dis la plupart. Car il y en a qui disent, on va voir, est-ce qu'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et il reconnaissait le salat, mais il n'a pas prié, comme l'avis de l'Albani, rahimallah, et des trois grands savants, l'imam Malik et Chef et Abu Hanifa, ceux-là, ils disaient, il n'est pas kafir s'ils reconnaissaient le statut de la salat. Mais par contre, ils sont tous unanimes pour dire que si, il ne reconnaissait pas le statut de la salat, qu'il est devenu kafir. Mais maintenant, nous, on est en train de parler de gens qui croient, qui conduit ici la personne, qui se disent musulmans. Donc, il sait qu'il connaît beaucoup de choses. La preuve, il dit, je suis musulman. Mais n'a jamais lu le Coran et n'a pas appris la religion. Là. Laissez-moi vous citer le verset qui va venir. Je vais écrire cette phrase. Voilà. C'est ça le verset? Non. Regardez ce verset. Je vais mettre d'abord en arabe, ensuite en français. Arabe? Non. Chauffe. Regardez ce verset. Arabe 179. Est-ce qu'il s'est affiché? Zéro? Non. Subhanallah. Une seconde. Je ne suis pas connecté avec le programme. Une seconde. Peut-être que le programme n'est pas connecté. Une seconde. Je vais voir maintenant. Toujours rien. Je vais donc le copier. Vous allez me dire si vous le lisez ou pas. Et maintenant, il y a ou il n'y a pas? Non. Non, alors je sors une seconde et je reviens, Inch'Allah. Je sors une seconde et je reviens. Assalamu alaikum. Vous êtes avec moi? Alhamdulillah. Il y a un verset ou il n'y a pas? Vous voyez un verset ou vous ne voyez pas? Subhanallah. Et maintenant, la même chose. Si, pourtant c'est pas ce verset que je veux. C'est pas ce verset que je veux. Moi je veux celui-là. Celui-là, il n'y a pas. Wala qadar, il n'y a pas. Il n'y a rien. Mali, je vais vous le lire. Puisqu'il n'y a pas, je vais vous le lire. C'est tout. Je vais le lire, Inch'Allah ta'ala. Bon, ça ne fait rien. Je vais me suffire à la lecture seulement. Allah ta'ala dit dans le Coran, Wala qadar, ana li jahannama, kathiran min al-jinn wal-ins. Écoutez bien. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الأعراف 179. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Voilà. Ce qui est dans en français, ce qui est dans à peu près la traduction en français, ça donne ça. Voilà ce que ça donne en français. Barak Allahu fik. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez bien. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux. Plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Donc, voilà la réponse à la personne qui parlait des insouciants. Celui qui ne lit jamais le Coran, celui qui ne prie pas, celui-là, c'est un insouciant. Allah Ta'ala dit, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'êtres humains pour l'enfer. À cause de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans leur vie, ils avaient des cœurs, mais n'employaient pas leur cœur pour comprendre pourquoi Allah Ta'ala les a créés, pour comprendre comment adorer Allah, pour comprendre comment se rapprocher d'Allah, pour comprendre comment faire pour aller au paradis. Non, ils employaient leur cœur pour d'autres choses. Ils ont des yeux, ils avaient des yeux quand ils étaient vivants. Mais ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas avec la vérité. Ils n'employaient pas leurs yeux pour lire le Coran.
Ils n'employaient pas leurs yeux pour apprendre leur religion. Ils n'employaient pas leurs yeux pour voir le halal. Ils les employaient seulement dans le haram, dans les choses qu'Allah Ta'ala n'aime pas qu'on voit, dans les choses yani, qu'Allah Ta'ala interdit qu'on voit. Là, ils employaient des yeux, leurs yeux. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ne les ont pas employés pour la chose yani, pour laquelle ils ont été créés. Ils ont des oreilles, ils avaient des oreilles, mais ils n'entendaient pas. Ils n'ont jamais entendu le Coran, jamais assisté à des cours, ils n'ont entendu des cours. Non. Jamais des conférences sur la sunna, sur l'islam. Non, ils employaient leurs oreilles pour la musique, pour les choses qui ne sont pas bien. Alors ceux-là, leur statut, c'est quoi? C'est comme les animaux. Allah Ta'ala dit, pour moi, ce sont des animaux. Plus égarés encore. Les animaux sont mieux, ça veut dire. Pourquoi l'animal est excusé? Il n'a pas de raison, il ne raisonne pas. Ceux-là, ils pouvaient raisonner, mais, subhanallah, ils ont dévié du droit chemin. Tels sont qui? Al-Ghafiloun. Allah Ta'ala dit Al-Ghafiloun. Les insouciants. Naam. Attention à celui qui dit, il était dans la ghafla, dans l'insouciance. Et l'insouciance, c'est grave. Tu es dans l'insouciance. Tu vis dans l'insouciance, c'est grave. Allah Ta'ala, t'as pas dit de vivre dans l'insouciance. T'as dit de te réveiller, de chercher allez, quel est le chemin qui mène vers lui. Ah, toi, si maintenant on va te dire, yani, des voleurs vont bientôt venir à ta maison pour yani, vont yani, voler. Non, vont là, voler la maison et l'or que tu as à la maison, les bijoux, là, vont te voler ta voiture, là. Non, tu vas pas dormir yani, toute la nuit, en train de surveiller. Non, de demander aux enfants de surveiller avec toi. Tu fais venir la famille pour surveiller. Non. Les voisins, tu demandes l'aide. Tout ça, yani, pour te préserver yani, de ceux qui veulent yani, voler ta maison, là, ta voiture. Là. Qu'en est-il maintenant, yani, tu sais que il y a un enfer au Layadoubillah. Non. Il y a un paradis auquel il faut se préparer. Et tu ne fais rien, tu dors. Tu dors, yani, tu dans l'insouciance. Toute la journée, toutes tes années, tu as vécu 40, 50 ans, 60 ans dans l'insouciance. Demain, tu vas te réveiller. Nam, tu vas voir des gens venir avec des montagnes de hasanat, des montagnes de prières, de rak'at de prières, des montagnes d'aumônes qu'ils ont données, des montagnes de jours de jeûne qu'ils ont jeûné. Nam, content, souriant, en train de pleurer de joie. Allah Ta'ala est en train de leur dire, rentrez au paradis, allez au paradis. Les anges vont te guider vers le paradis. Allez voir vos demeures, allez voir ce que je vous ai caché, allez voir les bienfaits qu'il y a, allez voir les ni'ma qu'il y a. Et toi, debout, en n'ayant rien comme bonnes œuvres. Mais voilà que Allah Ta'ala demande aux anges de ramener ce que tu as fait comme mal. Et voilà maintenant qu'il ramène des montagnes de péchés, comme Jabal Uhud, plein de péchés. Hein? La zina, les mensonges, les vols, les ceci, cela, des montagnes. Hein? Comment faire? Comment essayer de cacher? Tu dis aux anges, ne ramenez pas ça. Non, c'est pas possible. Non. Et maintenant, Allah Ta'ala dit, jetez cette personne en enfer sur son visage, oulayadou billah. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer, tu vas hurler, tu vas demander à Rabbi ceci, à Rabbi cela. Il n'y a rien. Il te dit, je t'ai donné plus de, tu as vécu plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Toi, tu as vécu 100 ans. L'autre a vécu 90 ans. Non, tu savais. Tu n'étais pas fou. Tu avais la raison. Tu n'as pas voulu. Tu as dit, je préfère profiter dans cette vie et je m'en fiche de ce qu'il y a dans l'au-delà. Alors aujourd'hui, ça ne te sert à rien de pleurer, ni de pleurnicher, ni. Nam, nam. Si tu as fait de bonnes œuvres, les voilà. Tu as fait de mauvaises œuvres, assume, assume. Qu'Allah nous préserve et nous aide. Ya Rabbi, a'inna ya Rabbi, kunana kun ma'ana ya Rabbi al-alamin. Tfadhal. Amin, barakallahu fikoum cher. Donc, on passe à la sixième question. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, cher, j'ai besoin d'un conseil. Je suis dans une situation très spéciale. Je suis en âge de me marier. J'ai la capacité pour plusieurs frères du minhaj.
viens demander ma main auprès de mon frère, car mon père est décédé. Mais à chaque fois, mon frère répond à ma place sans même demander mon avis. Il dit au frère que je ne souhaite pas me marier alors que ce n'est pas vrai, et quand je lui demande la raison de sa réponse négative, il me dit que je dois rester m'occuper de ma mère, que je ne dois pas penser au mariage jusqu'à mes 28 ans. Que dois-je faire dans cette situation, surtout qu'il n'a pas de raison valable et que lui va bientôt se marier? Voilà que là, au fait comme ta faute de réagir. Il n'a pas le droit de faire cela. Non. Et en faisant cela, si quelqu'un de bien, non, se présente et qu'il remplit les conditions et qu'il veut pas, et qu'il fait ça une fois, deux fois, trois fois, ensuite il perd le statut de qui? De tuteur. Il ne devient plus tuteur. Non. Mais la tutelle passe à l'autre frère ou bien à un oncle paternel, non, et non à celui-là s'il veut priver sa sœur du mariage. Il ne la laisse pas se marier avec quelqu'un qu'on appelle un bon parti, quelqu'un qui se présente et qui remplit les conditions religieuses et aussi plus ou moins matérielles. Non. Et encore, comme elle dit ici, lui, il se marie et elle ne se marie pas. Il n'y a pas ça dans la religion. Le juge islamique lui enlève la tutelle. Non. Ensuite, avant d'oublier, il y a une personne qui m'a parlé elle cherche à savoir par rapport au lavage mortuaire. Au lavage mortuaire, hein, il dit qu'il y a certaines personnes, même des sœurs, qui, lorsqu'elles font le lavage mortuaire, des fois, yani, elles font des choses qui sont contraires à la sunna. Non, mais elle cite l'exemple de celle qui fait le lavage mortuaire, yani, et met des couches aux morts. Non. Des couches comme on fait la couche, on met la couche à un bébé. Non. Elle dit que c'est contraire à la sunna. Je dis ça. Il n'y a pas ça dans la sunna. C'est contraire à la sunna. N'empêche que ça peut se faire dans le besoin. C'est-à-dire si, par exemple, le mort, il y a des choses qui coulent de lui, qui n'arrêtent pas de couler. Donc si on va l'envelopper maintenant dans le drap, ça n'arrête pas de couler. Dans ce cas, si on lui met la couche, comme protection. Non. C'est juste comme protection et dans le besoin, dans Haja. C'est pas à la base sunna, comme font certaines sœurs, par exemple, qui d'avance, elles préparent la couche pour toute personne, pour toute femme morte, donc la couche. Non, ça c'est contraire à la sunna. Ça, c'est contraire à la sunna et que la personne craigne Allah subhanahu wa ta'ala, car le lavage mortuaire, c'est une adoration. Et dans l'adoration, on n'a pas le droit, yani, d'inventer des choses de nos têtes. Et on n'a pas le droit aussi de dire, on m'a appris comme ça, ou là, j'ai été en Arabie Saoudite, c'est comme ça que je les ai vus faire, ou là. Il n'y a aucun pays qui est hujja sur l'islam. Il y a le Coran et la Sunna. Non. Donc, on doit se référer toujours au Coran et la Sunna. Est-ce qu'il y a dans le Coran la Sunna qu'on met la couche? Où il n'y a pas. On ne regarde ni l'Arabie Saoudite, ni le Pakistan, ni l'Algérie. On regarde le Coran et la Sunna. Alors je dis, dans le Coran et la Sunna, il n'y a pas la couche. Mais il y a dans le besoin. C'est-à-dire, à la base, je ne mets jamais de couche. Et s'il y a un cas où il faut la couche, je la mets, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'était quoi la dernière question? J'ai oublié, elle est belle. C'est quoi la dernière question, Tfadlan? En fait, vous aviez répondu par rapport au mariage que les frères venaient demander à la sœur et que le frère de la sœur refusait. Et vous avez répondu, Allahu Alam. On va passer à la prochaine question, question numéro 7, question d'une sœur. Salam alaikum, barakallahu fikoum pour ce cours bénéfique, qu'Allah vous préserve, vous ainsi que les admins, amin. Ma question porte sur les horaires de prière en France. Comme vous devez le savoir, Naam, il y a deux organismes qui proposent des horaires différents, avec des degrés différents. Un à 18 degrés, la mosquée de Paris, et un à 12 degrés par l'UOIF. Le Ramadan approche, et je suis confus, je ne sais pas lequel est le plus fiable des deux, pour vous dire à quel point on est déstabilisé.
J'en ai des familles où une partie jeûne à partir d'une certaine heure et l'autre jeûne à partir d'une autre. Merci de nous éclairer sur comment choisir. Voilà que là, on fait comme tafadali. En fait, je dis d'abord alaykoum salam rahmatoullah, et je suis en train de rire parce que ce sujet-là, au moins peut-être c'est la cinquième ou sixième ou dixième fois qu'il m'arrive. C'est pas toujours comme ça dans les cours, mais même dans le Gmail là. Subhanallah, ce sujet, c'est toujours le même et toujours au même moment à peu près. Tous les ans au même moment. Non. Et tous les ans, je réponds par la même réponse que je ne suis pas en France et je ne sais pas comment ça passe. Il faut voir, yani, qu'ont dit les ulama. Parce que je sais qu'on a demandé ça à Cheikh Fawzan et à je ne sais qui, des grands savants, il a répondu. Mais sa réponse, n'étant pas en France, je l'oublie toujours. Est-ce qu'il a répondu yani, l'OUF ou là, il a répondu l'autre? Je l'ai toujours oublié. Parce que je suis pas quelqu'un de France. S'il y a ici maintenant que nous sommes en direct, quelqu'un qui peut nous orienter et nous dire qu'a dit l'Ifta, l'Ifta de l'Arabie Saoudite, ou bien qu'a dit Cheikh Fawzan, Naam, rahimahullah, hafidahullah ta'ala, qu'il nous le dise parce que moi, chaque année, j'oublie ce qu'il a dit. Parce que pour moi, c'est-à-dire ça ne m'intéresse pas beaucoup, car je ne suis pas de France. S'il y a quelqu'un qui peut nous dire ici, yani l'avis le plus juste, pour orienter nos frères et sœurs, et c'est bientôt le Ramadan, qu'ils nous le disent, inshallah ta'ala, itfadal. Je vous attends. Cher, si je peux me permettre, Allahu alam, Cheikh Fawzan, lui, il dit de prendre de la Ligue mondiale, le calendrier de la Ligue mondiale, qui est, je crois, le calendrier à, si je ne me trompe pas, 15 degrés ou 18 degrés, je ne me souviens plus, mais lui, il parle de la Ligue mondiale, et ainsi que d'autres ulama. Et on prend l'exemple de Cheikh Mohamed Ibn Hadi, Hafizahullah. Quand il est venu au Maroc pour enlever toute ambiguïté, il est sorti, il est juste avant le Fajr, il est monté à la terrasse de la maison où il était et il a vérifié l'horaire à la vue. Et on a une parole aussi de Cheikh Ubayd al-Jabiri par rapport à la vue. Allahu alam, s'il y a d'autres frères qui ont quelque chose qui nous le disent, Inch'Allah. Donc, s'il y a d'autres qui peuvent nous orienter davantage, on leur donne le micro, inshallah ta'ala. Reste une chose, moi je vous dis quelque chose là, qui va vous aider, inshallah ta'ala, c'est quoi? Chauffe. Si vous avez quelqu'un qui est un grand savant, comme Cheikh Fawzan ou le Cheikh Mohamed Ben Hadi, ou l'un des grands savants, et il dit, par exemple, je donne un exemple, il dit par exemple jeûner ou la prier avec Zama, la Ligue mondiale. Ou là, avec Zama, 18 degrés, ou là, 20 degrés, ou là, même si je comprends pas très bien ce que ça veut dire ici, les degrés. Alors, dans ce cas, il ne faut pas faire de problème et de wesawis et de dire, naam, elle dit, ça suffit pas. Donc, je vais faire des recherches plus approfondies. Et comme ça, et tu vas rentrer dans Tanatta. Comme a dit le prophète, tu vas rentrer dans les wesawis, tu vas rentrer dans des choses que Allah Ta'ala n'aime pas. Ça te suffit qu'un grand savant ait dit, voilà, il faut faire telle chose. Là, ça te suffit. Alhamdoulilah, tu as confiance, ce sont des grands savants. Et pourquoi donc maintenant tu commences à essayer de comparer ce qu'a dit celui-là, ce qu'a dit l'autre, et tu rentres dans les problèmes. Moi, si j'étais à votre place, j'ai une fatwa du comité permanent, ou le Cheikh Fawzan, ou le Cheikh Rabi, ou le khlas. Ça me suffit. Même si quelqu'un vient me dire, voilà, l'autre a dit, je lui dis, khlas. L'autre a dit, prends-toi avec l'autre. Moi, Cheikh Foulan a dit, khlas, ça me suffit. C'est un grand savant. Khlas, c'est lui le responsable pour mon siyam yawm al-qiyama. C'est lui le responsable pour ma salat. Parce que c'est un grand savant, il peut pas tirer des choses comme ça de sa tête. Non? Et avant de donner la fatwa, il a dû yani, vérifier et ceci et cela. Femme, voilà ce que je vous donne comme nasiha. Allahu ta'ala alam, tfadl. Donc on passe à la question numéro 8, question d'une sœur.
Salam alaikum, cher Kalanou guide, question à Aqida. Non, Aqida, invocation. Que faire? Que faire ou répondre lorsqu'une personne nous demande de faire des invocations telles que qu'Allah le préserve pour une personne que certains considèrent comme savant et dont les grands savants ont mis en garde. Barakallahu fikoum. Tafadhal ya cheikh. D'abord, il y a deux choses ici, Nam, avant de répondre à cette question. La première, ce qui est triste comme a dit une personne, c'est que ces gens-là se posent la question pendant le ramadan, c'est tout. Alors que tout le reste de l'année, yani, ils ne demandent pas pour l'heure. Et l'heure de la prière, ni rien. Jusqu'il arrive le ramadan, ils commencent à poser des questions. Subhanallah al-Adim. C'est vraiment yani, étonnant. La personne doit être soucieuse pendant toute l'année. C'est pas seulement quand arrive le ramadan. Je dis wahda. La deuxième des choses, hein, comme a dit aussi une personne, c'est que certains, comme vous savez, surtout les rawafid, non, ils ont une grande haine contre l'Arabie Saoudite. C'est parmi yani, des signes que la personne a un minhaj déviant, c'est qu'elle critique beaucoup l'Arabie Saoudite. Même sans dire beaucoup, elle critique l'Arabie Saoudite. Non, elle a de la haine envers l'Arabie Saoudite. Sauf que les rawafid, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, yani, tôt ou tard, bi-idnillah, yani, on arrivera à l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que, yani, ce sera, yani, ou détruire la Kaaba ou là, pour Allah Ta'ala nous préserve. C'est pour ça qu'ils envoient des Houthiyoun au Yémen qui font ravage à là. C'est, yani, avec le, Houdoud, les limites avec l'Arabie Saoudite. Comme ça, ils peuvent jamais rentrer de là-bas. Ils sont poussés par l'Iran, bien sûr. Et yani, les Rawafid. Mais ce qui est décevant, c'est que tu trouves ça yani, parmi des gens de la Sunna. Et qui yani, pensent du mal de l'Arabie Saoudite. Ils disent que tout ça c'est faux, c'est du bluff, c'est pas vrai, ils pratiquent pas l'islam, ceci, cela, cela. Et on a même qui vont plus grave. Ils disent que ce sont eux yani, qui envoient Daesh. Ce sont eux qui fabriquent Daesh et qui les envoient dans le monde pour tuer. Que Allah Ta'ala nous préserve yani, de penser yani, ainsi. Que Allah Ta'ala nous préserve de penser ainsi. Yani, l'Arabie Saoudite, c'est elle qui fabrique Daesh. Ce n'est pas yani, les Yahoud et les États-Unis et les autres. Non, c'est l'Arabie Saoudite qui envoie Daesh. Subhanallah al-Azim. Alors que Daesh, quand tu les vois, tu sens yani, déjà c'est qui les envoie. Avec yani, les dernières. Yani 4x4, yani dernier modèle. Non, et avec les Ousmane, ils ne montrent même pas leur visage, ils ne montrent même pas leur chef, ils ne montrent même pas leur visage. Car sinon, c'est connu yani, que ce sont des Américains, ce sont des. Yani, ils viennent de là-bas où ils ont été entraînés, etc. Et yani, ceux qui disent comme ça, je trouve qu'il y a des femmes, ils n'ont jamais été, par exemple, en Arabie Saoudite, ni yani, ils n'ont vu yani, comment Allah ibarak là-bas, comment ils appliquent. Comment... Et bien sûr, ils ont des fautes, comme tout le monde. Ils ne sont pas parfaits, ils ont des manquements. Non. Mais au moins là-bas, yani, il y a le tawhid, il n'y a pas yani, le shirk, c'est interdit. Non. Et même s'il y a des choses qui se font, elles ne se font pas comme ça devant tout le monde, comme dans les pays de Kofar. Non. Devant tout le monde, dans la rue, peut faire ce qu'il veut. Non, tout ça c'est interdit. Non, la dernière fois où j'ai été en Umrah, ça fait pas longtemps, hein. Ça fait deux, peut-être trois mois ou là. Non, je suis sorti de la mosquée à Médine, quand j'ai vu yani, des gens en train d'attraper quelqu'un, non, la police, qu'est-ce qui se passe? Ils ont senti en lui yani, une mauvaise odeur. Peut-être qu'il a goûté un peu de l'alcool ou je ne sais pas ce qu'il a bu ou là. Comment qu'ils l'ont pris dans la voiture et il ne sait pas où ils l'ont emmené. Non. S'il boit dans sa maison, personne ne le voit. Oulada, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas obligés d'aller. Mais quand même, s'ils apprennent que dans telle maison il y a de la boisson ou là, ils vont aller vérifier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fabrique de l'alcool, peut-être. Donc, attention, comme dit le prophète alayhi salam dans le hadith authentique, que la personne dise une phrase sans lui donner beaucoup d'importance, et qu'elle la jette à 70 années à Jahannam ou l'Iyadu Billah. Non, attention,
Mesure bien tes paroles avant de parler. Mesure bien tes paroles avant de parler. Tu laisses les pays des kofars, tu les critiques pas. Tu vas au pays qui, yani pour nous, yani ils appliquent l'islam et ils font de mieux, tu les critiques. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Barakallahu fikoum cheikh, mais en fait, c'est la question numéro 8, vous n'avez pas répondu. Est-ce que je vous la relis? Que faire ou répondre lorsqu'une personne nous demande de faire des invocations telles que qu'Allah le préserve pour une personne que certains, pour une personne que certains considèrent comme savant et dont les grands savants ont mis en garde? Tafadhal ya cheikh. Eh, si on nous dit allez, de faire une doua dans le genre que Allah préserve pour une personne que certains considèrent comme savant, et dont les savants ont mis en garde, eh ben je dis à la personne, je lui dis, au fait, tu ne sais pas que la personne yani, les savants ont mis en garde contre elle. Peut-être que la personne ne sait pas. Elle dit, ah bon, je ne savais pas qu'a fait cette personne. Je lui dis, oui, cette personne, par exemple. Elle s'assoit avec les gens de la bid'a, ou bien cette personne fait telle et telle bid'a. Hein? Donc, c'est une preuve, c'est une occasion, inshallah ta'ala, pour montrer aux gens, pour leur faire des nasiha bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Voilà ce qu'il faut faire, inshallah ta'ala. Si la personne n'est pas apte à faire nasiha ou là, donc, qu'elle ne fasse pas de dua. Elle hoche la tête et ensuite elle fait pas de dua. Elle fait pas de dua pour une personne contre laquelle on a mis en garde. Non. Si je fais des doigts, je fais des doigts, je dis que Allah subhanahu wa ta'ala, aslah Allah ba'lahu, je demande à Allah ta'ala qu'il lui montre la vérité, je lui demande à Allah ta'ala qu'il l'aide pour qu'il voit la sunna. Et comme ça. Fadlan. Barakallahu fikoum cheikh. Donc on va passer à la question numéro 9. Alors, reprenez-moi le fichier. Question numéro 9, question d'une sœur. Juste avant cheikh, le frère apprenti chimiste, je ne sais pas si vous vous souvenez, il demande que vous regardez votre mail, le frère apprenti chimiste. Cela fait 3 ans que je suis marié, alhamdoulilah, je viens en France et j'ai 2 enfants. Mais mon mari ne m'a jamais présenté à sa famille, ni moi, ni mes enfants. Ils vivent au Maroc et ne savent pas que mon mari est marié et a des enfants. Il part régulièrement les visiter sans qu'ils ne sachent. A-t-il le droit d'agir ainsi? Que puis-je faire car cela me pèse de vivre comme cela? Barakallahu fikum, tafadhal ya cheikh. Je lis la question, cela fait 3 ans que je suis marié, alhamdoulilah. Je vis en France et j'ai 2 enfants, mais mon mari ne m'a jamais présenté à sa famille, ni moi, ni mes enfants. Ils vivent au Maroc, ils ne savent pas que mon mari est marié et a des enfants. Il part régulièrement les visiter sans qu'ils ne le sachent. A-t-il le droit d'agir ainsi? Que puis-je faire? Car cela me pèse de vivre comme cela. Je ne sais pas, Yanni, pourquoi la personne peut-être cacher à ses parents qu'elle est mariée, sauf si peut-être la personne est déjà mariée et que ses parents ne veulent pas qu'il se marie une deuxième fois, donc il ne va pas parler de la deuxième famille. Wallahu ta'ala alam. Mais en général, yani, la personne, c'est-à-dire celle qui a posé la question, peut tenir une discussion yani, en tête à tête avec son mari et lui demander par exemple quelles sont les causes. Non. Quelles sont les causes yani, que tu caches cela à tes parents, qu'est-ce qu'il y a yani. Et comme ça, et qu'elle essaie de comprendre et d'avoir une discussion franche avec lui, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Donc, et ensuite, il y a aussi une chose importante que je veux dire ici avant d'oublier, c'est quoi? C'est que il faut pas oublier que si le mari, à part qu'il ne fait pas ce qu'elle vient de citer ici, si à part cela, il remplit toutes les conditions et qu'il est mashallah dans le dîn et qu'il yani, subvient aux besoins de la famille matériellement, etc., et qu'il a un bon caractère, etc., alhamdoulilah, la personne, yani, remercie Allah subhanahu wa ta'ala de cette ni'ma. Et yani, ce n'est pas une obligation yani, à 100% que il doit te prendre là-bas ou là. Peut-être il y a des choses, Allah ta'ala alam. Mais il ne faut pas aussi oublier le côté que j'ai cité maintenant. Que si tu es heureuse avec lui,
dans ton appartement, alhamdoulilah, et les enfants, et tout va bien, alhamdoulilah. Et année, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ni'ma, et ne pas année, chercher des choses qui pourraient peut-être engendrer des altercations et des problèmes et mener peut-être à la séparation que Allah ta'ala vous préserve tous, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Amin, barakallahu fikoum cher. Donc, on va passer à la 10e question. Question d'une sœur, et la question est un peu longue, fikoum cher. Donc, afin j'ai eu un problème de micro. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, je disais, question numéro 10, question d'une sœur. En terre de couf, lorsque la mère de l'enfant se remarie, ou presque remariée, on informe le père de l'enfant et que le père de l'enfant a donné sa décision. Quant à savoir, soit il lui laisse la garde de l'enfant, soit il prend la garde de l'enfant. Doit-il y avoir des témoins pour sa décision? Est-ce que le père peut à tout instant au cours de la vie changer d'avis sur la garde de son enfant? Si oui, témoin besoin? Doit-on refaire devant témoin à chaque fois? Afouane Chir, j'avais pas vu, il y a plusieurs questions là-dessus. Alors je continue. Troisièmement, le père de cet enfant a une fréquentation plus que douteuse en termes de aqida. Sa aqida au père n'est pas salafie. Hein. Il faut que je sache s'il s'est repatché entre-temps, mes proches des tekfiri. Et en allant dans le pays où il veut vivre avec cet enfant, il sera entouré de gens des plus douteux. Allahumma sallam. Et la mère de l'enfant, au vu de la très grande distance ainsi que des complications pour être acceptée dans ce pays. Elle n'est pas sûre de revoir son enfant et à quel prix. Dans ce cas, prend-elle un péché si elle refuse de lui laisser la garde s'il part dans ce pays loin d'elle? Et prendra-t-elle un péché, une responsabilité? Si elle laisse son enfant à son père en sachant qu'il est dangereux pour sa aqida de vivre avec son père, surtout qu'à cette distance, elle n'aura pas une surveillance directe, une surveillance sur son fils. Actuellement, les deux parents sont dans un pays de kufr. Chir, apparemment, la question. En fait, la personne n'aimerait pas qu'on affiche la question. Et je pense que vous, il vous la faut, il y en a pour lire, pour mieux comprendre. Allahu alam, si vous la voulez en PV, Inch'Allah. Ça, c'est une question très longue et je n'ai pas comprise. Et je vois que de la lire et ça prend beaucoup de temps. Je voudrais résumer en deux mots et de dire. Résumer en deux mots et dire. Naam. Pour la garde des enfants, etc., ça n'a pas besoin de témoins. Naam. Pour la garde des enfants, c'est avant 7 ans, c'est la mère qui les garde. Avant 7 ans. Après 7 ans, quand je dis c'est la mère qui les garde, yani, pendant la nuit. Pendant la journée, ils sont avec leur père. Si je vous dis ce que dit le charia, ce que dit charia, à partir de 7 ans, ce sont eux qui décident. On les fait choisir. Ce sont eux qui décident. Maintenant, s'ils décident qu'ils aillent vers par exemple, le père ou la mère, hein, on les donne, mais à condition que yani, les pères ou le père et la mère sont masha'Allah dans le din. Alors les enfants peuvent décider, yani, d'aller vers le côté où il n'y a pas beaucoup de din. Alors les enfants aiment quelqu'un qui n'est pas yani, dur dans le din, qui n'est pas sérieux, beaucoup sérieux dans le din, car ils aiment jouer, ils aiment sortir, plaisanter, etc. Donc des fois ils choisissent la mère parce que par exemple son din est faible. Ou le contraire. C'est le père qui est faible dans le din, ils choisissent le père. Dit on va avec le père. C'est le manège, c'est les sorties, etc. Il n'y a ni cela ni rien. Voilà. Ce sont des enfants. Pourquoi on les appelle des enfants? C'est pour ça que en islam, même s'ils choisissent celui qui est faible dans le din ou le pervers, le juge ne les donne pas. Malgré qu'il a choisi, il lui dit non, tu vas avec l'autre. Pourquoi tu as choisi celui-là? Non, comme une fois ça s'est passé dans le tribunal. C'est le salaf qui raconte. Le juge a donné, par exemple, au père. L'autre,
Ou là, il lui a dit, qu'est-ce que tu choisis? Il a dit, par exemple, choisis le père. Puis le juge lui a demandé, pourquoi tu as choisi le père, mon fils? Il lui a dit, mon père, il tout le temps, on joue, etc. Il nous dit pas comme dit la mère. À chaque fois, il faut prier, il faut prier. Ah, il a dit, c'est comme ça. Alors, il faut aller vers la mère. Il a donné à la mère, il a enlevé du père. Donc, en général, comme l'a résumé Cheikh l'Islam Taymiyyah, il a dit, l'enfant, naam, celui qui a le plus de priorité sur sa garde, c'est celui qui a le plus de dîn parmi les deux. Celui qui a le plus de dîn, c'est celui qui a plus de droits sur son enfant, bi'idhnillahi ta'ala. Sur son enfant, bi'idhnillahi ta'ala. Mais ça n'empêche pas que l'autre aussi, celui qui a le dîn faible, que c'est aussi son enfant et qu'il a le droit de le voir de temps en temps, etc. Mais on parle de la garde à qui elle revient, bi'idhnillahi ta'ala. Fawzi, pour le PV de l'apprenti chimiste, pour son Gmail, son mail, je ne l'ai pas trouvé. Elle dit Wahda. Et peut-être qu'il existe, mais il n'a pas dit, c'est moi l'apprenti chimiste. Et est-ce qu'on est à la 10e question, là, la 9e? Tfadlal. Non, cher, on était à la 10e. Donc, c'était la dernière question. La personne dit si la aqida du père n'est pas salafia. Non, si la aqida du père n'est pas salafia, ça veut dire il fait partie des gens de la bida. Non. Ça veut dire si la mère, c'est sa aqida, elle est salafia, et à sa aqida des salaf, etc. C'est elle qui doit l'éduquer, bi'idhnillahi ta'ala. Mais n'empêche que le père a le droit de le voir. On ne peut pas le priver complètement et lui dire ce n'est plus ton fils, donc tu n'as plus le droit de le voir. Quand même, c'est son père, hein, il a le droit de le voir, etc. Mais c'est sa mère, Yannick, qui a la garde d'un côté, et c'est elle qui lui inculque le vrai minhaj. Non. À chaque fois qu'il a un contact avec son père, ou là qu'il va le voir, ou là qu'il passe la nuit chez lui, ou là comme dans les lois des kofars, car la loi des kofars, elle donne yani, des jours au père, ou l'âme. Donc, dans ce cas, chaque fois qu'il revient vers elle, elle doit yani, lui corriger les erreurs. Et lui dire, voilà, yani, ça c'est ton père, etc. Mais quand il dit ceci, cela, il faut pas l'écouter. Voilà yani, la vraie Arida, voilà le vrai minhaj. Et comme ça, c'est une grande responsabilité. Car ça suffit pas d'avoir seulement des enfants, mais encore faut-il les éduquer sur yani, le vrai minhaj et la vraie aqida. Ne pas rompre les liens de parenté avec le père, même si la aqida est mauvaise. Non, même s'il est kafir, même si mon père, c'est un bouddhiste, non, il reste toujours mon père. S'il me demande d'aller lui acheter des choses ou d'aller lui acheter des médicaments ou bien de l'aider dans telle et telle chose, c'est toujours ton père. C'est toujours son père. Et on ne rompt pas de lien avec lui, mais on essaie plutôt, yani, de lui faire des rappels et de voir comment bi'idhnillahi ta'ala, yani, le pousser, yani, et yani, yani, lui montrer le chemin jusqu'à, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Car si maintenant, à chaque fois, yani, on a un père kafir, ça veut dire qu'on ne va plus lui parler, lui, yani, et rompre les liens, classe donc, c'est très grave. Ah. Astaghfirullah wa atoubu. Donc on arrête ici, je dis subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atoubu ilayk. On se rencontre inshallah ta'ala samedi prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.